Coucou mes choubidous, you, comment vous dire, je vais mieux, je vais mille fois mieux, maintenant il faut que je me repose, je suis pas prête encore à retravailler parce que avec les acouphènes c'est compliqué, mais sinon je vais mieux, regardez, voyez, je suis moins fatiguée, le mental y est pour beaucoup, et aussi le fait que je pratique énormément le bouddhisme, Nam-myoho-renge-kyo, c'est très important pour moi, en plus je viens de recevoir un cadeau magnifique, de Priscilla et Cassie, mais c'est sur mon Instagram. Si vous voulez suivre sur mon Instagram, c'est Sibylle Choubidou. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Donc, j'ai acheté, j'ai pris, j'ai fait un loto 13. Du coup, je me suis trompée, j'ai mis deux chiffres. Ben, j'ai payé 6 euros au lieu de 3 euros. Voilà, j'ai fait un loto 13, un loto pour le 13. J'ai fait un flash et j'ai acheté ceci. Donc, on va gratter ensemble. Vous êtes d'accord? Je mets. Alors le numéro 13, fétiche, on y va. Je suis. Non, 11. Oh, je vois rien en plus. Hein. Il faut qu'on fasse ensemble. Hein. Peut-être que vous allez mieux voir que moi. On va le faire ensemble. Allez, on regarde. En fait, c'est même pas c'est vous qui allez regarder, c'est même pas moi. J'ai encore du rouge à lèvres. Voilà. Je regarde quand même. Vous savez, il ne faut pas vieillir, hein, je vous jure. Hein. Si, il faut vieillir, mais comme j'ai la cataracte, il faut que je me fasse opérer. Alors, est-ce que j'ai gagné quelque chose? Attendez. De toute façon, celui-là, j'ai payé 1 euro. Hein. J'ai pas l'impression. Vous voyez un 13, vous? Peut-être là-haut? Non, il y a le 11. Il y a le. Non, mais même avec les lunettes, je vois rien. Je pense pas qu'il y ait un 13. Hein. Focus. Non, je crois pas qu'il y ait un 13. Je regarde. Alors, il y a un 17. Il y a un 18. Un 12. Un 14. Je sais pas, mais je vois pas 13. Donc, allez, peut-être ce sera plus facile. On va faire un solitaire. Je suis seule alors, donc du coup j'ai mon petit chat, mais bon voilà. Eh bien, on va regarder, hein, on est vendredi 13, eh ben il faut, on va voir si c'est vrai qu'on peut gagner le vendredi 13 quelque chose. Voilà, alors, on va gratter. Voilà, donc là, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que j'ai gagné quelque chose? J'ai pas regardé moi. Hein. Il faut que j'ai, on a dit, soit le 23, le 6. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Mais je vous dis, à chaque fois que je l'achète chez elle, je ne gagne jamais rien parce qu'elle doit savoir ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. 23, il n'y a pas. 6, il n'y a pas. 17, il n'y a pas. 20, il n'y a pas. 16, il n'y a pas. Non, bah, il n'y a rien. Parce que quand j'achète chez mon libraire ailleurs, je gagne tout le temps à côté de mon travail. J'ai même gagné 2700 euros une fois au tiercé. Mais avec elle, je gagne jamais rien. Alors, bélier. Puis en plus, elle m'a donné deux béliers. Alors que j'ai demandé qu'un. C'est pas grave. C'est pour un grave. Allez, on y va. Alors, gain 1, gain 2. Si vous voyez un bélier, vous me le dites. On est d'accord? Ok? C'est juste pour montrer que je vais mieux quand même. Et puis, je vais me faire ma couleur. Et je vais me reposer. Je vais faire un. Alors, suite, parce que voilà, j'ai quand même une grosse fatigue suite aux acouphènes. Et du coup, et puis par rapport à tout ce qui s'est passé, on va essayer de demander un mi-temps thérapeutique sur 3 mois. Et j'espère reprendre vraiment complètement en janvier. Mais pas dans ce poste-là, dans un autre poste. Alors, bah, vous savez quoi? Je gratte sans regarder. Hein. Je vous regarde. Alors, je peux pas. Mais attendez, il faut au moins que je regarde ce que je gratte. Et vous me dites, d'accord? S'il y a un bélier ou s'il y a deux numéros pareils. Attendez, là, il y en a un qui n'est pas gratté. De toute façon, moi, je vois rien. Alors, je vais mettre les lunettes. Alors, est-ce que Sibylle, elle a gagné quelque chose? Ouais, il faut que j'arrête d'acheter là. Hein. C'est marrant, hein, c'est le seul endroit où je gagne jamais. Mais jamais. Hein. Attendez.
Alors, mais quand même, on a donné deux et que j'en ai demandé qu'un, peut-être le deuxième, il est gratuit. Je vous dis, ils savent, apparemment, ils savent ceux qui sont gagnants, ceux qui sont perdants. Non, je vois, franchement, je vois rien du tout. Regardez. Est-ce que vous voyez pour moi? Est-ce qu'il y a deux caractères pareils, deux mots pareils? Pour moi, je vois rien. À son gain, si c'est 10 000, c'est mort. Non, c'était 4 euros. Franchement, ils abusent, hein. Ah, il y a un bonus. C'est quoi le bonus? Attendez, il y a un bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Découvrez deux symboles feu. Il faut voir les deux symboles feu. Peut-être là, vous allez voir. Focus, s'il vous plaît. Mais il faut vraiment que je change de lunettes. Hein. Il est temps, j'ai rendez-vous le 27 septembre. Bon, ben, je verrai. Et un autre. Ah, celui-ci, ben, je le gratte et je vous dis. Parce que ça doit être un peu casse-pied. Après, je vous montrerai d'autres trucs. Alors, 2 euros. Ouais, ben, même 2 euros, je ne sais même pas si je vais les gagner. Mais j'ai encore le loto, les deux. Alors, il n'y a rien, il n'y a même pas le signe du bélier. Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Attendez, il y a, c'est dramatique. Vraiment que je... Mais est-ce que c'est mes bonnes lunettes, ça? Bah ben ouais. Alors, bon ben les enfants, Walouche de Walouche, je n'ai rien gagné. Et le bonus feu, c'est pareil, je suis sûre. En fait, il ne faut plus que j'achète chez elle. Mais là, je me suis dit, je vais quand même. Elle me dit, on fait un flash. Je dis, ouais, si vous voulez. Et elle ne voulait pas que je joue. Mais je lui dis, mais vous n'avez pas compris, je veux jouer ce jeu-là. Elle me dit, ah, vous voulez jouer? Je dis, bah oui, c'est moi qui ai choisi les numéros. Et j'ai choisi le 42. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vous jure, faut pas vieillir. Le 42, le 44, le 46, le 32 et le 34. Mais je crois que c'est parce qu'elle m'a joué. Comme moi, je voyais rien. Je sais pas. Peut-être vous verrez mieux. Voilà, c'est ce que j'ai joué. Et elle m'a dit que là, il fallait payer 6 euros au lieu de 3 euros parce que 2 numéros, c'est plus cher. Voilà. Alors, sur ce, ben voilà, c'était mon petit tirage. Maintenant, je vais vous montrer ce que je prends. D'abord, ce que j'ai acheté. Chêne beauté, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'achète en pharmacie. C'est végétal. C'est très bien. C'est Alain qui va me le faire parce que j'ai beaucoup de racines. Courage Alain, parce que je suis une catastrophe. Je suis casse-pied. Et j'ai pris châtain foncé. Parce que je n'aime pas cette couleur un peu claire comme ça. Je préfère châtain foncé. Donc, j'ai pris des gélules de gingembre qui sont dans ma chambre. J'en prends deux par jour. C'est des nature active. Enfin, c'est un truc très très naturel. Vraiment, il n'y a aucun produit chimique. Même la gélule, elle est naturelle. Et c'est très bien pour les nausées. C'est très bien pour les vertiges. C'est très bien pour l'estomac. Par contre, comme je suis fatiguée, extrêmement fatiguée, j'ai demandé quelque chose de stimulant et dynamisant, mais à base de plantes. Donc c'est français, hein. Les deux produits que j'ai achetés sont français. Donc c'est ceci, c'est Tajvik. Ça n'a pas l'air français, mais pourtant c'est français. Et en fait, ce sont des vitamines. Alors vous avez complexe vitaminique, complexe G2MC. Le complexe TAC 540 contient notamment un extrait de guarana qui contribue à la vitalité et l'organisme en réduisant la
fatigue mentale et en stimulant la vigilance. Le complexe G2MC est à base d'acides aminés, et de ginseng. Ce dernier participe au soutien de l'organisme dans les situations de baisse d'énergie. C'est tout à fait ce qu'il me faut, il faut que je remonte la pente. Le complexe vitaminique renferme du magnésium et des vitamines C et 86, contribuant à un métabolisme énergétique normal de l'organisme et participant à la réduction de la fatigue et de l'asthénie. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, par contre, j'ai payé 17 euros. Mais sincèrement, je n'ai même pas ouvert. Hein. Je ne cache pas, je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas du tout comment c'est. Voilà. Et comme ceci, il faut que je l'ouvre. Demain, il faut que je commence à l'ouvrir. Voilà. Par contre, c'est bizarre, c'est que il s'est décollé dès que je l'ai ouvert, en fait. Ouais. Voilà, donc ça, ben, il faut en prendre 4 par jour. 2 le matin, 2 le midi la première semaine et après 2 la deuxième semaine. Et le gingembre, c'est 2 gélules le matin. Et elle m'a donné des échantillons. Et je ne vous dis pas les échantillons, c'est un truc de malade. Vous allez halluciner. Moi, j'ai jamais eu d'échantillons comme ça. Comme ceci, Nux. Alors, Nux, huile prodigieuse florale, je ne la connaissais pas du tout, celle-là. Huile prodigieuse, huile sèche, je la connaissais, mais celle-ci, je ne la connais pas du tout. Elle m'a donné crème prodigieuse, beauté, crème gel multicorrection, comme ceci, de chez Nux. J'ai eu bio beauté, crème détox anti-pollution. Vous avez vu les échantillons? Là, c'est du Furterer, c'est du Tonutia, comme ceci, pour les cheveux. Ne me demandez pas de le lire parce que j'y arriverai pas. J'ai un échantillon extrait de colonne tubéreuse Edoni de chez Roger et Gallet. Et j'ai ceci, Nux Aquabella, gelée purifiante, micro-exfoliante, usage quotidien. Vous avez vu tous les produits que j'ai eu de chez Nux, c'est un truc de fou, hein. Voilà, et donc du coup, je voulais faire cette petite vidéo. Et j'ai acheté à Sephora. Alors, si vous le voulez, c'est le numéro 27. Alors, faites attention parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a plus du tout dans le mien où je suis allée. C'est aux Champs-Élysées, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres ailleurs. Voilà, il est comme ceci. Voilà, je vous montre. Il est comme ceci. Là-dessus, c'est marqué taxi. Et regardez. Non, mais regardez ceci. Regardez, il est pailleté. Il est irisé pailleté. Regardez. Il est magnifique. Moi, je l'adore. Voilà mes choubidous, bah, c'était juste pour vous faire vous dire mille fois merci pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tous vos anti-messages. Je vais répondre un par un aux messages, je vous promets. Mais j'en ai tellement, mais tellement ça m'a apporté de la joie, de l'amour. Et honnêtement, je voulais vous dire que voilà, je vais mille fois mieux. Il faut que je me repose surtout maintenant. C'est tout, et puis que je mange, et tout à l'heure, je me suis mangé un gros pain au chocolat, avec de la crème dedans, j'ai mis de la crème partout, tellement j'étais contente de pouvoir le manger. Voilà mes choubidous, sur ce, ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, on fera des vidéos encore mieux que ça. Là, c'était une petite vidéo pour vous montrer que, ben, voilà, ça je l'avais acheté chez New Yorker, pour vous montrer tout simplement, et le pantalon, bien sûr. Au marché. Bah oui, il faut que Sylvie les redevienne comme avant. Hein. Mais je ne suis pas capable encore de travailler, je vous assure. Je ne suis pas capable. Je pense que je pèterai les plombs au bout de 5 minutes. Et il faut encore voilà, que je sois suivie par ma psy régulièrement et que je la vois souvent et que je prenne quand même un médicament qui est très important. C'est un Exomil. Il faut que je prenne de l'Exomil encore. Voilà, même si ça va, c'est pas encore le top, 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 hein, mais c'est parfait pour moi. Mais bon, l'intérieur, l'organisme, il faut vraiment encore, voilà. Et puis là, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours des acouphènes très forts, mais que je supporte absolument parce qu'il faut les supporter. Mais tout va bien. Je vous aime. I love you.
Hishlimidish, te quiero, ti amo, bye bye, ciao. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Et mettez un petit like si vous voulez. Bye bye.